Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise, its continuing mission. To explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Salut à tous, c'est Adam, comment allez-vous? Oui. Question très pertinente en ce moment. Surtout durant voilà, cette période, cette période-là. Voilà, donc du coup, du coup, donc, euh, ça, fait, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je vais en parler là bientôt. Mais du coup, là, euh, donc, comme vous avez vu dans le titre, probablement. <laughs> euh, donc aujourd'hui, on va parler de deux choses. D'abord de DeviantArt et ensuite du Cornelius et du confinement. Oui, parce qu'il faut en parler. Voilà, ça, ça aide. Autant moi que vous. Voilà. Euh, du coup, donc, euh, donc DeviantArt. Alors, donc je vous en parle parce qu'il y a quelques années, j'ai créé un compte euh, et, euh, que je n'ai pas utilisé durant des années encore. Et il y a quelques mois, j'ai commencé à l'utiliser. Et donc, en fait, euh, durant cette période de confinement, où je n'ai pas, pas le temps de faire beaucoup de vidéos, euh, j'en posterai quelques-unes qui sont déjà faites, euh, comme euh, Atlantis ou, ou d'autres encore. Et euh, donc, euh, voilà, je les posterai. Et, euh, je, je... et en fait, euh, sur Diviantart, je posterai d'autres choses, c'est-à-dire des, euh, des photos et des, et des entrées de journaux. Euh, alors, en quoi c'est utile Parce que souvent des, des nouvelles par rapport à certaines constructions qui ont été demandées, comme par exemple, un exemple en ce moment qui est voilà, flagrant, c'est le. Comment il s'appelle déjà C'est le, le, oui, le vaisseau Arctic One assimilé de, du, de la série Trek Enterprise, l'épisode Régénération. Euh, donc, oui, euh, voilà, par exemple, je peux poster des images. Euh, pour montrer l'avancement de mes travaux, pour que vous, euh, savoir ce que vous en pensiez et tout ça. Euh, ou même des, des travaux qui sont terminés et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une vidéo. Cela me permet de, de savoir ce que, pensez, ce que vous en pensez et de mettre un petit peu en haleine aussi. <laughs> voilà, vous faire patienter en attendant, en attendant les vidéos. Euh, aussi, les entrées de journaux me permettront de, de, de mettre à jour euh, certaines choses, euh, par exemple des absences de longue durée ou de courte durée d'ailleurs. Euh, les vidéos qui vont prochainement sortir et tout, tout le reste, en fait. voilà, Par exemple, j'ai plusieurs vid vidéos Eagle Moss qui sont déjà prêtes et bien d'autres encore qui vont arriver. Voilà. Donc, du coup, c'est euh, voilà. très, très, très utile. Voilà. Donc, euh, le lien s'affiche maintenant sur l'écran. N'hésitez pas, donc, euh, aussi sur la description. N'hésitez pas à aller, à aller voir, euh, à mettre un favori si vous aimez, surtout à laisser un commentaire. C'est parce que. Je demande à chaque fois, mais les commentaires, ça m'aide à m'améliorer. Euh, parce que je les suis. Voilà, parce qu'il y en a qui ne le suivent pas. Enfin, voilà. Du coup, voilà, donc. Euh, donc, voilà, c'est. Euh, voilà, ça, ça peut vous tenir informé de, de toutes nouvelles, tout ça. En ce moment aussi, je suis un, un peu pris par un, un autre projet génial. Un projet de, de, de briefing auquel je participe. Euh, allez, euh, dont le premier épisode est sorti d'ailleurs. Euh, tout récemment, euh, allez le voir le lien s'affiche à l'écran et dans la description allez le voir, c'est un truc génial voilà euh, donc je posterai également les, construc les constructions qui apparaissent dans ce bric-film au fur et à mesure de la diffusion des épisodes évidemment, l'épisode 2 devrait sortir sous peu donc, voilà, euh, ensuite donc, donc voilà, c'est tout pour euh, des tarte, voilà, j'espère que vous y arriverez voilà. ensuite Chose un peu moins joyeuse. Un peu mo beaucoup moins joyeuse. Le coronavirus. Ou Covid-19. Comme celui qui a, qui a été nommé pour cette année. Euh, donc oui. Donc euh, là c'est une période assez dure. Une période de confinement. Voilà. Donc tout d'abord je tiens à faire une chose importante que je n'ai pas encore fait jusqu'à présent et qu'il faut absolument que je fasse. En fait que tout le monde... Que toutes les personnes qui ne l'ont pas fait encore devraient faire. Parce que c'est quand même, c'est normal quoi, normal. Euh, voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui participent à la lutte contre contre ce contre ce, ce, ce virus, parce que c'est ces, ces personnes-là travaillent dans des conditions très très dures et pas seulement les médecins, je parle de vraiment tout le monde, toutes les personnes qui participent, les médecins, les personnes qui qui, qui euh, sont dans l'environnement des médecins, euh, les personnes qui font le ménage, les personnes qui font la cuisine, tout les personnes de, tout tout le monde en fait vraiment tout le monde et également toutes les personnes qui respectent le confinement qui évitent ont des responsables qui évitent voilà donc du coup premier aussi autre chose un conseil important euh, voilà il faut rester chez soi on le voit donc sur toutes les chaînes de télévision on nous répète sans cesse mais c'est vraiment primordial c'est primordial euh, parce que c'est une Grave, très grave épidémie. Euh, dans l'histoire moderne, on n'a jamais connu ça. Jamais il y a eu autant de morts, autant de morts aussi rapidement euh, sur, un, os, un, sur de, un aussi grand nombre de territoires. C'est juste impressionnant. Ce, ce virus se répand extrêmement vite, ne serait-ce que parce que ça. Parce que ça bah, à cause d'une longue période d'incubation. Voilà. Du coup, donc, euh, voilà, il faut vraiment, faut vraiment faire en sorte que ce virus ne puisse pas continuer. Heureusement, en ce moment, on, voit, on, commence, on commence à entrevoir les effets du confinement, heureusement, en France. Mais dans d'autres pays comme les États-Unis, où la situation m'inquiète beaucoup, ça n'arrête pas d'augmenter. Euh, Je ne vais pas mettre d'opinion politique, mais il, y a, il faut admettre qu'il y a eu un retard. Voire même un mépris de, de, la, de la gravité de la situation. Voilà, donc euh, c'est quand même. Voilà, ce qui fait que la situation États-Unis est très très grave, ce qui fait que c'est ce le pays actuellement le plus, le, le plus touché. La Chine n'avait pas eu autant de cas. Et en plus, le, ce sera probablement bientôt le pays qui aura le plus de morts. Notamment du fait du système de santé là-bas. Les Français se plaignent comme si c'était une santé, mais quand même par rapport à d'autres pays, il est quand même plutôt bien. Plutôt bien. Je ne dis pas qu'on ne pourra pas s'en plaindre, il a des défauts comme tous les systèmes, mais voilà. Euh, aussi, du coup, du coup, je voudrais vous faire part aussi de mes inquiétudes par rapport à, à l'avenir de, de la société, ou des sociétés, celle de, celle de, 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 de tous les pays en fait, parce que c'est une catastrophe, autant humaine qu'économique. Parce que souvent les pays ont eu des choix à faire entre économie et santé, certains choses d'économie, d'autres santé. Et voilà, donc du coup, certains pays ont réussi à garder les deux, comme l'Allemagne par exemple, qui a fait un dépistage, un dépistage massif de personnes. Euh, ce qui s'avérait beaucoup plus utile que le confinement. Et pour cause il y a moins de morts. Euh, voilà. Il y avait plus de cas à l'époque que la France, mais parce que, parce que les gens étaient dépistés. Voilà pourquoi c'est pour ça que je pense qu'on aurait dû adopter ce genre de politique plutôt, après au niveau financier je ne sais pas si ça aurait été possible de le faire il faut les moyens et ça je ne sais pas si voilà mais du coup la situation actuellement est grave, l'économie est à plat pratiquement en tout cas en fait les, beaucoup de personnes disent que ça sera pire que 2008 et je pense aussi du coup donc euh, voilà je, vous dis, je vais vous dire d'être euh, d'être fort, voilà de aussi ça vous dire qu'il va falloir faire va falloir faire des, des, des efforts, efforts va falloir reconstruire la société et euh, aussi j'espère que ça pourrait être bien comme comme mauvais c'est à dire qu'il y a deux possibilités soit en construisant la société en y, en y corrigeant également les erreurs qui, qui, qui sont apparues au fil des années euh, par exemple en y rajoutant les enjeux environnementaux euh, des enjeux d'autres enjeux aussi notamment humains euh, ou alors la société s'effondre, on est incapable de, de reconstruire, personne ne fait d'effort, et là tout s'écroule en fait. Voilà, mais comme je suis optimiste, je préfère penser à la deuxième possibilité. Et voilà, donc c'est pour ça que. <coughs> euh, voilà, donc, ça serait bien que, que tous ensemble nous nous, nous émettions d'une autre. Voilà, certaines habitudes vont devoir changer, par exemple réduire la consommation, euh, ça vaut pour absolument tout le monde. Réduire la consommation, dépenser moins, euh, réduire le gaspillage, ça aussi. Voilà, il y a réduire la pollution. Déjà, on voit au moins l'avantage du confinement, c'est que le... la pollution a commencé à baisser. Ça, c'est pas mal quand même. C'est bien. On a gagné quelques années. Mais bon, on, a... on, sait, très... on sait tous très bien que dès qu'on confinement sera... sera terminé, voilà. Donc du coup, j'espère que ça va bien se passer. Voilà, mais du coup il va falloir faire des, des efforts, voilà. Du coup donc euh, aussi, euh, je, je me doute que pour ces verres de confinement, ça va être très dur pour pour beaucoup de personnes, notamment pour les pour, pour les personnes qui pour les, euh, les adultes qui ont des enfants, les jeunes enfants surtout parce que c'est dur pour eux, euh, pour euh, des, des personnes handicapées, euh, des personnes, euh, voilà, toutes sortes de personnes en fait. Et donc je vous conseille dans, dans cette période, si c'est possible, d'aller vo voir des, des psychologues, parce que franchement, ça, franchement, ça, ça pourrait vous aider à. à ça, pour, ça pourrait vraiment vous aider à. Voilà, à, à passer un, un, confi un bon confinement. à ne pas vous sentir. Euh, voilà. Ça pourrait ça pour aider. Même moi j en, j en, je, je vois quelqu'un et franchement ça va mieux depuis. Voilà. Du coup, aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Oui, donc du coup, en ce moment, j'ai. Euh, alors, oui, donc il y a aussi ces problèmes du. Euh, voilà, des, du coup, les écoles qui ont été fermées. En ce qui concerne, je suis à l'université. Euh, donc, du coup, j'ai encore des cours sur Discord. Mais. Euh, enfin, voilà quoi, c'est. C'est. Euh, euh, voilà, donc du coup, j'ai pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps malheureusement. Aussi je dois vous avouer que j'ai du mal un petit peu à sur les cours. Euh, pas, voilà, ça, ça change, ça change. Pe, Peut-être que d'autres aussi ont des problèmes avec ça. On pourrait partager les expériences. Voilà. Et donc du coup aussi euh, dernière chose, enfin avant dernière chose. Euh, si, vous voulez me... si vous souhaitez me contacter pour quelque, soit... quelque chose que ce soit, par exemple, il y, y en a qui me demandent des instructions de montage ou carrément les fichiers LDD. Euh, alors, en temps, en temps normal, j'utilise MediaFire mais c'est un peu énervant à chaque fois de le faire, et je n'ai pas un espace illimité, et puis je n'ai pas forcément confiance à les données en ligne. Euh, du coup, ce que je vous propose, euh, donc voilà, je, je vous donne mon identifiant Discord, comme ça, vous pouvez me contacter. Euh, et je pourrais vous envoyer les fichiers si vous en avez besoin ou tout simplement discuter sur telle ou telle chose vous pouvez même m'aider pour, pour certains designs on m'a déjà aidé par exemple pour atlantis euh, euh, Justement vous, vous verrez la, qui m'a aidé dans la vidéo voilà je, je le remercie d'avance ça fait ça fait maintenant Je crois deux ans deux ans que j'ai fait cette cité et que je devais faire la vidéo ouais. donc je tiens à m'en excuser voilà donc du coup donc voilà, du coup donc euh, je vous souhaite voilà prenez soin de vous vraiment euh, soyez patient oui Beaucoup, très patient très très patient voilà euh, compréhensif aussi voilà euh, voilà euh, et donc euh, voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine salut tout le monde